something like this, you know what I'm saying? Stay up on this. Keep it on and on and on and on and, you know what I'm saying? Big Nas. Ah, Nas. Nas est aujourd'hui considéré comme un des GOATs de l'histoire du hip-hop. Alors GOAT, c'est pas pour la chèvre, hein, mais c'est pour l'acronyme de Greatest of All Time. Pour faire court, dans le style jazz, on va parler des meilleurs comme dans une hiérarchie royale. Et dans les hip-hop, on va plutôt en parler avec la liste des meilleurs MC au monde. Eminem, Tupac, B.I.G, Snoop Dogg ou récemment Kendrick Lamar en font partie, aux côtés de justement Nas. Et si lui en fait partie, c'est parce qu'il a réussi à chaque moment de sa carrière à transformer les tragédies de sa vie en de véritables poésies. C'est aussi un porte-parole pour la cause afro-américaine aux États-Unis et un homme dont les valeurs humaines et familiales toucheront en plein cœur le public. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2018 et nous célébrons les 22 ans de la sortie de son album It Was Written. Cet album, considéré comme une de ses plus belles œuvres, est aussi l'album qui a réussi à faire comprendre que le hip-hop était à la fois destiné à la rue, aux sources, mais aussi à la radio et à un public plus commercial et populaire. Après la sortie d'It Was Written, Nas a été propulsé immédiatement au rang d'icône du hip-hop. Mais avant tout ça, revenons un petit peu sur les débuts de cet artiste si particulier. Fils d'un musicien de jazz et de blues, Nas tombera dans la musique tout petit. Et pendant les 4 premières années de sa vie, il jouera notamment de la trompette. Il passera presque toute sa jeunesse dans les quartiers de Queensbridge, à New York, qui était connu à cette époque comme étant le quartier du crack aux USA. Ayant arrêté l'école à environ 14 ans car il se considérait plus intelligent que ses profs, Nas s'éduquera lui-même grâce à des livres antiques et à la rédaction de poèmes, soutenu par son frère et son père. Nas deviendra très vite passionné par la culture hip-hop. Très pratiqué dans les quartiers défavorisés des États-Unis, il écoutera Eric B. and Rakim, Kool G Rap, Roxane Chanté ou les productions de Marley Mall. Les rues de Queensbridge sont elles aussi baignées dans cette culture. Elles sont pleines de couleurs et il y a des breakdance battles à chaque coin de rue. Mais la nuit, l'ambiance n'est pas la même. Les coups de feu, suicides ou morts par overdose pousseront Nasir Jones à se réfugier chez lui et à poser à plat ses frustrations et la réalité de la rue dans ses poèmes. En 91, après que son père ait quitté le foyer, Nas vivra la première tragédie de sa vie. Son meilleur ami, Will Graham, se fait tirer dessus à 3 reprises dans le dos. L'homme que Nas considérait comme un frère meurt sur le coup. Et son propre frère, Jungle, sera aussi touché d'une balle dans la jambe. Mais plutôt que se morfondre dans un deuil impossible, Nas décide d'écrire et de commencer sérieusement sa carrière dans le hip-hop. Après avoir été salement recalé par Roxane Chanté. Yo, Chanté, can I quit my rap to you? I'm gonna rush, kid, next time. Let me get my rap to you. Yo, kid, if you really wanted to rhyme, you would have started already. But fuck it. Rap! Yo. Yo. What's your name? Nazir. Nazir. If you don't have your rap together the next time I see you, I'm gonna fuck you up. Nasir rencontre le producteur Large Professor, qui lui laissera sa chance à seulement 17 ans pour poser sur le titre Live at the Barbecue. Ces quelques rimes mettront tout le monde d'accord sur le talent du jeune poète qui signera quelques semaines plus tard avec Columbia, qui lui donnera une avance de 17 000 $ pour composer son premier album. Et cet album, on le connaît tous. Il s'agit d'Illmatic. Ses 2 ans de travail seront récompensés par une critique ultra favorable de la presse, le considérant comme un vrai hymne au quartier de New York, un recueil de poésie impactant et sincère, magnifié par des productions de Q-Tip, Large Professor ou DJ Premier. It just felt like the hood finally had... It's manifesto. Mais le succès de la presse n'est pas suivi par un succès commercial. Nas ne vend que 500 000 copies d'Illmatic, alors que Dr. Dre est capable d'en vendre 3 millions avec The Chronic 2 ans plus tôt. Après la sortie de l'album, Nas commence à se rendre compte que les sons hip-hop qui passent à la radio ressemblent de plus en plus à son propre style. Sauf que eux, ils se font de l'argent dessus. Nasir embauchera alors Steve Scout pour être son manager. Steve avait bien compris les enjeux pour Nas, devenir un rappeur qui vendait des disques tout en gardant un pied dans la street. Et pour ça, il lui proposera d'utiliser le concept mafieux pour la création de son album, Nas devenant Nas Escobar. It Was Written, c'est 15 titres qui racontent chacun une histoire différente, mais avec les mêmes bases de la vie de la rue. Entre une véritable histoire contée par Nas au temps de l'esclavagisme où il se rebelle contre son maître dans l'intro de l'album, hey, damn these chains, man. Damn you, master, you ain't my master, man. Ou encore Street Dreams, où Nas nous conte la vie d'un jeune du ghetto qui joint les deux bouts en vendant de la drogue, le tout chanté sur le même air que Sweet Dreams de Rhythmix. Ouais, vraiment, le même air. Et le pire, c'est que ça marche. Dans I Gave You Power, Nas ira carrément se placer en tant que narrateur avec le point de vue d'une arme. Et du coup, c'est une arme qui rappe. Like I'm a gun. Shit.
My body is cold steel, for real. I was made to kill, that's why they keep me concealed. He placed me on his waist the moment I've been waiting. My creation was for blacks to kill blacks. He pulled the trigger, but I held on. It felt wrong, knowing niggas is waiting in hell for him. He squeezed harder, I didn't budge. Sick of the blood, sick of the thugs, sick of rap for the next man's grudge. Il parlera même au nom des femmes dans Black Girl Lost. Avec Affirmative Actions, Nas créa aussi les débuts du supergroupe The Firm. Il sera d'ailleurs tellement doué dans le mode mafioso dans des titres comme The Message que Tupac le prendra comme une attaque personnelle, alors que c'était pas du tout le cas. Du coup, il prendra sa revanche dans la chanson Against All Odds, où il détruit totalement Nas. Et pour la petite info, Nas admettra plus tard qu'il avait pleuré à l'écoute de ce titre. Bref, vous aurez compris que cet album est comme le recueil d'histoire des frères Grimm, où chaque chanson impose plusieurs niveaux de lecture et où à chaque nouvelle écoute, on comprend un nouveau message. Mais il faut pas oublier que les histoires qu'il raconte sont vraies, et qu'elles viennent soit de sa propre vie, soit de celle de son entourage. Et en plus de nous prouver qu'il est un putain de storyteller, Nas nous montrera qu'il est aussi capable de casser les codes du rap game de l'époque. Et quand je parle des codes, je parle carrément de la règle numéro 1. En gros, il y a deux écoles dans le rap. L'East Coast, le rap new-yorkais représenté par Notorious B.I.G. et le label Bad Boys Records, et la West Coast, le rap californien de Los Angeles représenté par Tupac et le label Death Row Records. Les deux rappeurs anciennement amis se font une guerre par le biais de chansons, où la plus connue et violente de toutes sera certainement Hit Them Up de Tupac. First off, fuck your bitch and the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck. Autant vous dire qu'il valait mieux se ranger dans un camp et y rester à cette époque. Et c'est exactement ce que Nas n'a pas fait. Dans le titre d'anthologie Nas Is Coming, il viendra poser son flow East Coast sur une production de Dr. Dre, qui lui est de la West Coast. Pour la première fois dans l'histoire du beef East-West Coast, un membre de chaque clan viendront s'allier pour un seul titre. Alors tout ça, c'était pour assumer la crédibilité de la place de Nas en tant qu'icône du rap et roi de New York. Mais pour s'assurer de son succès commercial, Steve Scout voulait à tout prix un titre qui allie ce côté ghetto avec un son plus accessible. Et une chanson de rap pour un public commercial, c'est pas vraiment compliqué à faire. Il suffit d'intercaler le flow du rappeur avec un refrain chanté par une pop star ou une star du R&B. If I Rule the World sera donc LA chanson accessible par tous de l'album. Si au départ c'était R. Kelly qui devait chanter le refrain, il sera remplacé par une nouvelle voix qui venait de débarquer, Lauryn Hill. D'ailleurs, un peu perturbé par cet aspect accessible, Nas dans le clip intégrera 30 secondes de la chanson The Message, histoire de bien faire comprendre à tous que oui, c'est une chanson qu'on peut tous écouter, mais qui reste quand même un petit peu un gangsta. Grâce à cette simple intervention de la chanteuse à la voix d'or, It Was Written se fera connaître dans le monde entier et Nas touchera enfin le succès critique et commercial qu'il méritait tant. If I Rule the World sera numéro 1 des charts mondiales pendant plus de 4 semaines consécutives et l'album se vendra à plus de 2 millions de copies rien qu'aux États-Unis. Après cet album, Nas sortira I Am Nas et Nastradamus, où Nas sera de plus en plus critiqué par la presse et considéré comme un vendu. En effet, avec ce succès mérité mais soudain, Nas se perdra un peu dans son style et ses messages, s'approchant de plus en plus du rap bling bling à la Puff Daddy. Le Nas du ghetto est parti, remplacé par un Nas un peu plus superficiel, dont les titres seront efficaces, mais plutôt commerciaux. Et puis, en 2001, Jay-Z est arrivé. Et il n'est pas arrivé seul. Takeover était là aussi. I know you miss your Nas, the... Went from nasty Nas to Esco's trash. Had a spark when you started, but now you're just garbage, nigga. You ain't live it, you witnessed it from your folks' pad. You scribbled in your notepad and created your life. 4 albums in 10 years, nigga. One was nah, the other was Illmatic. That's a one hot album every 10 year average, and that's so. Autant vous dire que Nas a pas vraiment, vraiment apprécié le geste. En plus du fait que grâce à Takeover, Jay-Z était devenu le nouveau roi de New York. Et bien qu'il soit très dur dans ses propos, Jay-Z a en fait sauvé Nas. Car si Jay-Z pensait s'attaquer au Nas de Nastradamus, il a en fait clashé le nouveau Nas, celui de Stillmatic. La même année, Nas revient avec l'album Stillmatic et remet Jay en place avec Ether. For the main event, y'all impatiently waiting. It's like an AIDS test. What's the results? Not positive. It's Gazy and Cockefeller Records wanna be. You seem to be only concerned with dissing women. Were you abused as a child, scared to smile? They called you ugly. Well, life is harsh. Hug me, don't reject me. How much of Biggie's rhymes is gonna come out your fat lips? Wanted to be on every last one of my classics. You pop shit, apologize, nigga. Just ask kids. Personnellement, je trouve que Nas a gagné le beef, largement même. Mais vu que ça fait encore débat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, avec Stillmatic, il reviendra avec des titres qui sont considérés comme des classiques, comme One Mike. Il nous refera goûter à ses narrations poétiques et ultra originales avec la chanson Rewind, où il nous conte une histoire de manière anachronologique. Nas, the realest,
est de retour. Dans la suite de sa carrière, il sortira un album en l'honneur de sa mère décédée d'un cancer du sein et renouera les liens familiaux avec son père, Olu Dara. En 2006, il se réconciliera publiquement avec Jay-Z et sera au même moment signé au sein du label Def Jam, justement présidé par Jay. Il y sortira Hip Hop Is Dead, mais surtout l'album sans nom. Enfin, si, en soi, l'album a un nom. Et il s'appelle Nigger. Parce qu'en plus de montrer ses valeurs familiales et d'être un porte-parole pour la street, Nas est aussi très engagé contre le racisme. Si le titre Nigger choque, il est utilisé pour réveiller les consciences sur l'esclavagisme des Afro-Américains et sur la définition de ce terme tant utilisé, surtout dans le hip-hop. Nas, après plus de 15 ans de carrière, n'hésite toujours pas à se mouiller. Et il continuera sur sa lancée pour la cause africaine avec le magnifique album Distant Relatives, en duo avec Damian Marley, fils de Bob Marley. Les bénéfices de l'album serviront notamment à construire des écoles en Afrique. Et il y a à peine 15 jours, Nas sortait son 11e album, sobrement intitulé Nasir. Produit par Kanye West, l'album est centré sur le phénomène Trump, Fox News et le racisme persistant aux États-Unis. Alors voilà, voilà toutes les raisons pour lesquelles Nas est bel et bien un GOAT de l'histoire du hip-hop. C'est le premier rappeur à avoir été présent sur un titre de Raekwon des Wu-Tang Clan sans être de la Wu Family. C'est un des premiers à avoir parlé des quartiers défavorisés de la East Coast mondialement. Le premier à avoir fusionné un producteur de la West Coast. Il s'est mis entre autres Tupac et Jay-Z à dos pour finalement gagner leur respect. Nas, c'est un pionnier du hip-hop qui a le droit de dire que le hip-hop est mort quand il le pense. What's dead? The realness. Et tout ça, en plus d'être le type de gars qui ne vieillit jamais. Non, franchement, vous voyez la différence? Bref, le jeune poète de Queensbridge, qui venait à peine de perdre son meilleur ami, est aujourd'hui Nas, l'icône du hip-hop, le roi de New York, dont les paroles ou poèmes sont à ce jour archivés à Harvard. Alors merci pour tout, Nasty Nas, et bon anniversaire, It Was Written. Release was semi, besides the henny, his eyes that seem plenty, things get skinny as if Queens was a crack Jenny, instead of diet plans, it's crack, 200 grams, I pump a G.